Joël. L'idée, je ne suis pas contre l'idée. Simplement, ce qui m'agace un petit peu dans cette idée, c'est que, comme l'a si bien dit Bruno, c'est que l'école est malade. Elle est malade de profs qui en ont assez, qui ne sont pas bien payés. Elle est malade d'un enseignement qui peut être encore, qui date des fois encore des années Gallup. Elle est malade de l'ingérence des parents. Elle est malade de beaucoup, beaucoup de choses et de moyens financiers. Enfin, et la seule idée des politiques, notamment des républicains, c'est d'être toujours dans le symbole. Donc, c'est-à-dire une levée de drapeau tous les lundis matins pour faire quoi? Pour un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, il n'est pas lié qu'à une levée de drapeau. Il est lié aussi à l'histoire qu'on raconte du pays. Il est lié à la classe politique aussi qu'on a en face de nous. Il est lié à la réussite du pays, à l'influence du pays à l'international. Et c'est ce qu'ont les Américains, justement, au-delà de l'incivisme. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qui fait leur appartenance à leur pays. Donc, moi, je voudrais qu'on arrête un peu avec tous ces symboles et qu'on laisse l'école tranquille, qu'on laisse l'école faire ce qu'elle a à faire. Et la Marseillaise, oui, on l'apprend à l'école, comme l'a dit Bruno, dans un cours d'histoire. Exactement. Bah, dans un cours d'histoire. Si on peut même la chanter en cours d'éducation musicale, pourquoi pas? Très bien, mais qu'on arrête de vouloir créer des symboles avec des levées de drapeaux, etc. Ça se fera quand l'école fera sa mission, quand elle remplira sa mission première. Moi, non, mais l'esprit de corps, l'esprit d'appartenance, il se fait sur deux trucs. Sur des gros chocs, comme on a eu avec les attentats. Donc là, tu te rassembles. Et sur des victoires, tu vois ce que je veux dire. Et il y a quelques années, les attentats, c'était vraiment... on avait presque plus que ça, c'est malheureux à dire, mais il y avait plus que ça pour se rassembler et se sentir français avec l'équipe de France. Donc, moi, par exemple, ma fille, elle chante la Marseillaise, elle a appris parce qu'elle supporte l'équipe de France, elle est avec son drapeau, etc. Elle chante la Marseillaise à chaque match parce qu'elle adore le foot. Mais t'as plein de jeunes, je regarde sur les réseaux sociaux, là, quand l'équipe de France, elle joue, mais ils sont tous français. Ils sont tous français, etc. Il n'y a aucun doute sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ça. Le pays, c'est... Qu'est-ce qu'on fait pour redonner envie aux gens? Voilà, il faut un pays qui gagne. Il n'y a pas que le foot, mais il faut un pays qui gagne, un pays qui donne envie. Pardon, je t'ai coupé, Joël. Non, je disais que la France raconte plus d'histoire. Tu vois ce qui s'est passé avec Obama. Mine de rien, les États-Unis nous ont raconté une histoire. Donc à chaque fois. La tête de Kevin Bossuet. Non, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais il y a Donald Trump pour nous en raconter. Mais aussi, mais je veux dire, oui, mais aussi. Ben, c'est deux visages de l'Amérique. Mais complètement, mais il y a un visage, t'as un pays qui te raconte une histoire, t'en as un autre qui est arrogant et qui s'appuie sur son histoire passée et qui ne raconte plus de nouvelle histoire. Bah si, je t'assure, on est encore assis sur le général de Gaulle, donc excuse-moi, voire Colbert. Le fait qu'on fasse référence au général de Gaulle encore en 2022, bah oui, parce qu'on n'a plus que ça comme référence. Merci, bien sûr.